On en rajoute toutes les semaines. Bah oui, non mais. Moi je pense que ceux qui volent la semaine, mm-hmm. on devrait leur déduire les points. Ah, ça c'est pas bête quoi. Ah, ouais. Moins de points, c'est jamais. Non, ouais. Non, on leur déduit les points. Ouais, pourquoi ouais, parce que... pas déduire. Pourcentage en moins en fonction de l'heure du décalage dans la semaine. Si tu as pu prendre congé à partir voilà, 3h ou de midi, tu vois. Ouais. Midi, c'est bon. Ouais. Écoute ça. Le pur flot du préau. C'est dur de se lever et d'être de bonne humeur quand je vois Zizi manger mon poster de Jump Roger. Maman et papa qui sont très en colère depuis qu'ils ont vu mon bulletin scolaire. Arrivé à l'école, c'est la méga crise. La maîtresse a pas prévu, y'a un terreau surprise. Je pouvais pas réviser, de toute façon je passais ma ceinture noire de PlayStation. Alors je chante ce rap où je raconte mes bad trips et je dis lâchez-moi la grappe, lâchez-moi le slip. Lâchez-moi le slip. À la cantine aujourd'hui c'est le cauchemar. C'est pas bon, le cuisinier il a fait des épinards. Mais faudrait que j'en mange pour être plus costaud. Et je pourrais y casser sa gueule au grand Diego. M'en fous plus tard, je serai acteur ou rebelle. Et Nadia sera ma femme car elle est la plus belle. Quand je la vois dans mon cœur ça fait big bang. J'aimerais bien l'embrasser mais pas avec la langue. Y'a des jours, je vous jure, je ferais mieux d'avoir la grippe. Lâchez-moi la grappe, lâchez-moi le slip. Lâchez-moi la grappe, lâchez-moi le slip. Lâchez-moi le slip. Il existe des lois dans le préau. Ne jamais s'asseoir à côté de vos mythos, ni manger en face de Jean-Claude. Sinon, guerre thermonucléaire, des postillons. Pas s'amuser avec les filles, elles sont bêtes. Éviter les grands qui font du racket. Retenir sa respiration, même si on rougit devant les profs, faut une haleine pourrie. Mais malgré tout ça, je garde la pêche. Je jure sur la tête de ma mèche. En attendant, vous avez compris le principe. Lâchez-moi la grappe, lâchez-moi le slip. Lâchez-moi la grappe, lâchez-moi le slip. Ouais, c'est bon, lâchez-moi le slip. Lâchez-moi la grappe, lâchez-moi le slip. Lâchez-moi la grappe, lâchez-moi le slip. Les quelques secousses que vous subissez en ce moment sont dues au fait que j'ai un peu de mal à piloter et parler dans le microphone en même temps. Alors, pour cette zone de turbulence, on écoute tout de suite Michael Field, Turbulence Bell. Bon, et ben je crois que je vais aller pisser, moi. D'accord, attends. Tu m'excuses, non ? Pardon ? Ça va. Pardon ? Pardon. Pardon, monsieur ? Non ! Bon, c'est ici. Oh là là, c'est étroit. Hein. Bon, alors... Putain de turbulence. Pas moyen de pisser droit ici, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais voyons, comment c'est tout mouillé? Bon, ça y est, il y en a sur mes pantalons, là. Bon. Allô, allô, c'est votre capitaine qui vous parle. Bon, de quoi j'ai l'air, là? Simplement dire au type qui est au WC que s'il s'était tenu à la rampe plutôt qu'à son zizi, il aurait pas fait de murale. Bon, merci. Ça va, ça va. Et dites donc, capitaine. Oui. Il y a une petite lumière rouge qui clignote sur le tableau de commande. Elle porte le numéro 15. Numéro 15. Attends, je vérifie dans le manuel. Numéro 15. Porte de la soute à bagages défectueuse. Et galère et merde. Oh merde, il y en a une autre qui s'allume. Numéro 30. Numéro 30. Numéro 36. Train d'atterrissage. Et galère et merde. Oh merde. Ça y est, toutes les lumières s'allument. Et putain, attends voir. Toutes les lumières s'allument, ça veut dire... Joyeux Noël. Et galère et merde, oh merde. Attendez, on a une qui s'est pas allumée, le numéro 18, là, on a peut-être une chance. C'est peut-être le dispositif d'urgence qui fonctionne encore. C'est notre dernière chance. Numéro 18, c'est la cafetière. Et galère et merde, oh merde, oh merde. Et galère et galère et merde, oh merde. Attention, air, Pamessa, vol 712, appelons tour de contrôle. Tour, coco, tour, coco, tour, coco, nous recevez-vous. Oui, vol 712, ici, tour de cordon, tour de coco. Je vous entends pas très bien, là, on dirait qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Non, en fait, elle est par dessus. Arrête un peu, Isabelle. Vous pouvez nous voir sur votre radar? Je vous vois parfaitement. Très bien, alors nous allons... Très jolie coupe de cheveux, d'ailleurs. Merci. Nous avons un petit problème d'urgence. Vous avez un dispositif d'accueil? Oui, je crois que oui. Et vous avez quoi? Bah, je veux dire des trucs d'accueil, des ballons, des petits drapeaux, des banderoles avec bienvenue écrit dessus. Bon, gardons notre calme. Oui, d'accord. Je vais avertir les passagers qu'on va avoir un atterrissage difficile. Fais gaffe de pas les énerver, hein. Oui, bien sûr. Bonjour, c'est votre capitaine qui vous parle. Super délire. Nous amorçons une descente... On va se péter la gueule. Petit chat astucieux, petit chat malicieux, dis-moi.
dis-moi s'il te plaît, quel est ton secret? Comment fais-tu ça? C'est magnifique! Ce petit exploit. Moi je ne comprends rien, tu es un magicien. Tu es le David Copperfield des félins. Petit chat, je te le dis sincèrement, de tous les animaux, c'est toi le plus impressionnant. Ça groove. C'est quand même phénoménal qu'au bord de la nationale, malgré le bruit des automobiles qui à toute vitesse file, toi t'arrives à dormir sur le dos, et ça sans tes boyaux. Pays des rêves, tes boyaux qui sont juste là, à côté de toi. Et toi tu fais semblant de faire celui qui sait même pas. Petit chat, moi j'aime bien quand tu fais ton comédien. Comment réalises-tu ce tour? Moi qui passe devant toi tous les jours pour qu'un chat... C'est encore mieux que le parapente, ça. Mais quel bonheur! La sacrée petit chat tout plat, tout baby air, tout froid. Merci monsieur, dame, c'est le dernier morceau, content d'avoir pu partager ce moment unique dans un bus, parce que si tu regardes Pink Floyd, ils ont jamais enregistré dans un bus, Radiohead non plus, voilà, on est les premiers, content d'avoir partagé ça avec vous. Ce morceau-là, quand on le commence, on essaye de regarder personne dans les yeux, parce que si, par exemple, on regarde un garçon et qu'il le prend pour lui, après il veut nous cogner. Par contre, si on regarde une fille et qu'il le prend pour elle, par contre, après elle veut nous cogner aussi.